et arrivé à Foz. Et vu sur le pont qu'il va falloir traverser. Et le canal qui file là-bas au fond et qui va sur la gauche et qui débouche sur la mer. Je vais aller voir la mer, tiens, justement. Voilà, je roule sur l'humide. Ça s'enfonce moins. Le port de Foz en face. Allez, je vais remonter. Il n'y arrive pas. Déjà un peu à droite à gauche. Bon, le petit bateau en bas. Et le canal que je viens. Par contre, c'est un peu grillagé là. Parce que l'été, il y a des mômes qui sautent de là. Qui plongent ou sautent, on les voit. Hein. Et bon, de toute façon, le grillage, ça fait rien du tout. Saute quand même. Et donc, Foz-sur-Mer. Là, c'est le petit pont que j'ai passé lors des premiers essais de nuit, il n'y a pas longtemps. Les essais de la GoPro. Le tour des étangs, l'étang de l'estomac à Foz. Ça y est, j'ai bien le nom en tête maintenant. Voilà, et puis la mobilette ça passe pas. Hein, par là. Clôture en face avec sa chapelle, son église. Le clocher n'a toujours pas été réparé depuis. L'après-midi, on croise du monde là, le long de. Surtout ces sentiers au bord des étangs. Par contre, l'été, c'est infesté de moustiques et de pucerons. Salut! Bon, ben ça, on l'a déjà en vidéo de toute façon. Hein. Et voilà, rentrée! En finissant le tour de l'étang de l'estomac à Foz. Il y a un point de vue là. Alors au départ j'étais en face sur la digue. À gauche port de bouc, à droite Foz. Ensuite j'ai fait toute la rive en face pour revenir par là. Parfait, je défais ça. À pied et ça sera beaucoup mieux. L'église en face, le château en fait. Port de bouc tout là-bas au fond. Clôture l'église, c'est bien ça. Étang de l'estomac, alors ça faut le graver.